La première des erreurs, c'est de penser Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toutes les solutions qui seront développées ici doivent être pensées dans un contexte Afrique, Côte d'Ivoire, dans lequel on a tous des problèmes de capacité, de disponibilité des infrastructures. Donc il faut penser le fonctionnement en mode nominal quand toutes les infrastructures sont disponibles, mais surtout en mode alterné pour que au moins les solutions puissent opérer partout sur le territoire ivoirien. Ça, c'est la première erreur. Donc penser, concevoir les applications en fonction de la réalité des infrastructures locales. C'est aussi s'associer avec des acteurs locaux qui ont la clé du business, le code des affaires, pour pouvoir permettre à ces startups de ne pas errer, de ne pas s'aventurer dans des sentiers sinueux, donc d'optimiser leur investissement et d'assurer, de garantir la rentabilité avec des partenaires locaux. L'Afrique occidentale est en train d'amorcer son émergence. Tous les secteurs d'activité sont impactés par le digital. C'est un greenfield market, ça veut dire que c'est des secteurs à taux de croissance élevé, à la fois au niveau de l'agriculture, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé, au niveau du développement durable, l'environnement. Il y a des besoins de développer des applications mobiles qui vont permettre à ces acteurs qui sont dans ces chaînes de valeur d'optimiser leur fonctionnement au quotidien, de réduire leurs coûts d'opportunité. Donc les start-up françaises, et en particulier celles de Bordeaux que j'ai eu à visiter hier, ont de grosses opportunités d'affaires à réaliser en Afrique pourvu qu'elles abordent l'Afrique et la Côte d'Ivoire dans ce paradigme de tropicalisation, d'adaptation de leurs solutions. Je pense que c'était utile de mettre en place des plateformes qui vont permettre aux startups et aux écosystèmes des différents pays de collaborer. Nos startups évoluent en mode clos et il est important de mettre en place des processus, des dispositions qui vont permettre des synergies entre ces startups, surtout que nous partageons une communauté de valeurs, la langue française, nous partageons un historique, nos partenariats entre nos pays, et il est important que la coopération technologique entre les startups françaises et les startups africaines s'opère, et c'est ça le sens du thème de cette année de la Grande Jonction, et j'adhère pleinement.